السلام عليكم ورحمة الله. تمرين حول للسيغي غير. Étudiez la convergence des séries, les deux séries suivantes, la première série, premièrement, sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 1 plus 2 à la puissance 1. La deuxième série, sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 1 plus n au carré. Alors les prérequis dont on a besoin sont les suivants. يعني باش نحلوا التمرين هذا بطريقة سهلة خصنا بعض المكتسبات القبلية. Les prérequis. Alors, nous avons besoin de trois prérequis. Le premier prérequis, on se donne deux séries, sigma un et sigma vn, à termes positifs, à partir bien sûr d'un certain rang n0, tel que le terme général de la première série est équivalent au voisinage de plus l'infini au terme général de la deuxième série. Alors, dans ce cas, les deux séries, sigma un et sigma Vn sont de même nature, c'est-à-dire elles convergent toutes les deux en même temps ou bien elles divergent toutes les deux en même temps, c'est-à-dire si l'une converge, alors l'autre converge, si l'une diverge, alors l'autre diverge. C'est ça, sont de même nature, c'est-à-dire l'explication de sont de même nature. Le deuxième prérequis est la série géométrique. Alors, la série géométrique, sigma de n supérieur ou égal à 0, de x à la puissance n, elle converge si et seulement si la raison, c'est-à-dire x ici, en valeur absolue, est inférieure strictement à 1. Troisième prérequis, c'est la série de Riemann. La série de Riemann est la suivante. Sigma de n supérieur ou égal à 1, de k, alors ici, k, c'est une constante qui ne dépend pas de n. Alors, la série, la vraie série de Riemann ici, c'est pour k égale à 1. Mais, d'après les propriétés, puisque k ici, c'est un nombre réel indépendant de n, donc on peut considérer aussi cette série comme la série de Riemann. Donc, elle converge. Si seulement si l'exposant alpha ici strictement supérieur à 1. Donc, les trois prérequis que nous avons besoin pour résoudre l'exercice. Remarquez bien que cette série, ou bien le terme général de cette série, c'est un terme, les termes sont ici positifs. Ceci, c'est positif, quel que soit n appartenant à n, aussi ici, c'est positif. Donc, les deux séries données sont deux séries à terme positif à partir de n égale à 0. Même n égale à 0. Ici, 0 au carré, c'est 0. 1 sur 1, c'est 1. Ici, n égale à 0. 2 à la puissance 0, c'est 1. C'est le premier terme, c'est 1, 2. Donc, maintenant, le terme général de la série, la première série, celle-là, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la condition suffisante, la condition nécessaire, elle est suffisante. C'est-à-dire si on calcule la limite de ceci, on trouve un nombre différent de 0. Donc en ce moment-là, cela suffit de dire que la série diverge. La même chose ici, elle converge. 1 sur 1 plus n au carré tend vers 0, donc la condition nécessaire de convergence est vérifiée. Je passe maintenant à la solution. Alors, je vais écrire, premièrement, n sur 1 plus 2 à la puissance n. Alors, l'expression 1 sur 1 plus 2 à la puissance n. Alors, cette suite, je vais l'écrire de cette façon. 1
en bas au dénominateur, je factorise par 2 à la puissance n, j'obtiens 1 sur 1, 1 sur 2 à la puissance n, facteur de 1 sur 2 à la puissance n, plus 1. J'ai factorisé par 1 sur 2 à la puissance par 2 à la puissance n, pardon, au dénominateur. Alors, que je peux écrire de la façon suivante. 1. Je sépare les deux facteurs fois 1 plus 1 sur 2 à la puissance. Donc, et remarquez bien que cette suite, celle-là, elle tend vers 1. Quand n tend vers plus l'infini. Donc j'ai écrit une autre expression sous la forme d'un produit de deux suites. La première c'est 1 sur 2 à la puissance n et la deuxième suite elle tend vers 1. Donc je peux tirer que, donc je peux dire maintenant que notre suite, le terme général de notre série, c'est-à-dire 1 plus 1, 1 sur 1 plus 2 à la puissance n est équivalent, voisinage de plus l'infini bien sûr, à 1 sur 2 à celui-là. À 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance. Donc, voici notre suite un. Notre suite un, c'est celle-là, notre série, et la suite vn, la série sigma vn, c'est celle-là. Alors, ceci 1 sur 2 à la puissance n, je peux l'écrire de cette manière, 1 demi, le tout à la puissance n. Donc j'ai obtenu le terme général d'une série géométrique. Alors, je vais écrire maintenant la série sigma de 1 demi à la puissance n, n supérieur ou égal à 1 ou bien à 0. Ça ne change rien dans la convergence. Donc la série sigma de 1 demi à la puissance n converge. Pourquoi? Parce que c'est une série géométrique. Alors j'écris série géométrique de raison Q égale 1 demi. En valeur absolue est inférieure ou égale inférieur strictement, pardon, compris entre 0 et 1. Puisqu'elles convergent, et puisque les deux termes sont équivalents, alors donc, notre série, la série donnée, n supérieur ou égal à 1, de 1 sur 1 plus 2 à la puissance n, converge aussi. Pourquoi ? Converge d'après le critère d'équivalence.
Celui-là, numéro 1. Ritter. L'équivalent. Le critère ou bien le prérequis numéro 1. Je passe maintenant à la deuxième série. Deuxièmement, très simple. Alors, la deuxième série, c'est quoi? 1 plus 1 sur 1 carré. 1 sur 1 plus 1 au carré. De la même manière, je vais l'écrire de la façon suivante. Je factorise au dénominateur par 1 au carré. Donc, j'obtiens 1 sur n au carré plus 1. Je l'écris, je sépare les produits ou bien les facteurs. Donc, j'obtiens 1 sur n au carré multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur n au carré. Alors, la suite, celle-là que j'ai entourée, elle tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, notre suite, il est équivalent à la suite que j'ai entourée en vert. Donc, le terme général 1 sur de notre série est équivalent au voisinage bien sûr de plus l'infini à 1 sur n au carré. La série sigma de n supérieur ou égal à 1, de 1 sur n au carré, c'est une série de Riemann, d'exposant 2, alpha égal à 2. Donc, converge. Je l'écris ici, série de Riemann, prérequis numéro 3 d'exposant alpha égale à 2 qui est supérieur strictement à 1. Donc, notre série la série de termes général 1 c'est là. C'est là. La série donnée donc, la série sigma de n supérieur ou égal à 1, de 1 sur 1 plus n au carré, converge aussi. D'après quoi? D'après le critère ou bien le test critère de comparaison des séries à terme positif. Et voilà, c'est la fin de l'exercice. نتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين هذا. إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين جديد بحول الله. إلى اللقاء.